Eh bien, salut tout le monde, c'est le Geek du 29. Alors aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale, puisque ça va pas s'agir d'une vidéo sur un jeu, vous avez bien remarqué dans la vidéo qu'elle va être assez courte. Parce qu'en fait, il va s'agir d'une vidéo explication. En fait, vous avez sûrement dû remarquer que sur la chaîne, bon, j'avais fait la dernière fois, j'ai fait un sondage pour savoir quel jeu vous préfériez que je continue. Et vous avez dû remarquer que pour l'instant, j'ai fait aucune vidéo sur ces jeux-là. Je fais également pas beaucoup de vidéos. La raison de ça, c'est plutôt simple, faut se parler. C'est qu'en ce moment, j'ai des problèmes de logiciel et d'ordinateur au passage. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que mais j'ai plusieurs logiciels de capture d'écran pour pouvoir filmer. Et dans le tas, j'en ai un qui marche plus. J'en ai un autre qui n'enregistre pas le son de mon micro. Allez savoir pourquoi. J'en ai un autre qui est super chiant à utiliser. Parce qu'en fait, ce qu'il fait, c'est que quand je tourne une vidéo, après, il va faire un pré-montage pour me montrer un premier rendu de la vidéo. Puis, quand je l'aurai validé, il va faire un deuxième montage pour faire le rendu, on va dire, le rendu, comment, deuxième rendu, quoi, pour pouvoir l'utiliser dans le logiciel. Après, je fais le montage dans le logiciel et il me fait un troisième rendu. Quand j'ai fini le montage final, il me fait un troisième rendu. Un troisième montage. Donc c'est un peu chiant et pendant les deux premiers rendus, je ne peux pas tourner d'autres vidéos. Donc c'est un peu emmerdant. Donc c'est pour ça. Et en plus, ce logiciel-là, il demande beaucoup à mon processeur qui, lui, est pas très bien refroidi. Donc du coup, ça a tendance à faire crasher mon PC. C'est pour ça que j'ai des gros problèmes. J'en ai trouvé un autre logiciel aussi de capture d'écran, mais bon, celui-là, j'ai un peu de mal à savoir comment il fonctionne. Et en plus, il fait ramer certains de mes jeux. Donc, c'est vraiment la galère totale, honnêtement. Je suis vraiment désolé, c'est vraiment la galère. En plus, comme je l'avais dit dans ma vidéo sondage, en ce moment, j'ai pas beaucoup de temps pour faire des vidéos, puisqu'en fait, je suis en stage. Pendant un très long moment, donc je rappelle, j'en ai pour 5 semaines là. Après, j'ai que 2 semaines de vacances d'été, puis je renchaîne sur 6 semaines de stage. Ça va pas être. Et en plus, pendant les deux semaines de vacances que j'ai, je vais me faire opérer, donc c'est génial. En clair, je vais pas avoir beaucoup de temps pour tourner des vidéos, et en plus, j'ai des problèmes de logiciel et d'ordinateur. Voilà, donc c'est pour ça que vous avez dû remarquer que pour l'instant, dans le sondage, j'ai bien vu que vous préfériez que je fasse des vidéos sur Spin Tires, sur Farming Simulator et sur Robocraft. Et vous avez pu remarquer également que pour l'instant, j'ai fait des vidéos que sur Minecraft, jeu que vous n'avez pas tellement envie de voir. Et ça, je le comprends très bien. Seulement, c'est un des seuls jeux que un de mes logiciels est capable de filmer correctement. Donc c'est pour ça que pour l'instant, il va y avoir peut-être que des vidéos de Minecraft pendant un certain temps. Et je m'en excuse parce que je sais que c'est pas tellement ça que vous aimez. Je vais. Et ça, c'est ça, c'est ça pendant un petit moment, le temps que j'essaie d'arranger les différents problèmes informatiques que j'ai. Je voulais éclaircir ça avec vous afin que vous ne soyez pas que vous ne dites pas mais ils se foutent de notre gueule etc. Il nous fait un sondage et il fait des vidéos sur un jeu qu'on n'a pas envie de faire. C'est pas de ma faute, on va dire, c'est pas de ma faute. En fait, je fais des vidéos pour pouvoir vous en mettre quand même, mais le truc c'est que c'est un des seuls jeux, comme je vous ai expliqué, que je peux rec correctement. Donc voilà, donc je m'en excuse, je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir rec correctement les autres jeux. Et du coup, c'est pour ça que j'en appelle à vos connaissances. Est-ce que par le plus grand des hasards, vous connaisseriez des logiciels pas trop gourmands au niveau du processeur qui filment en une bonne qualité et qui sont facilement téléchargeables gratuitement si possible? Et ben, si vous en connaissez, ben, dites-les moi dans les commentaires. Pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est que les logiciels que j'ai, c'est Overwolf, Camstasia Studio 8, c'est celui-là qui me sert à monter. J'ai du Action Merilis, mais c'est lui qui n'enregistre pas mon micro. Et j'avais Fraps qui lui ne démarre plus.
Voilà les logiciels que j'ai. Si vous en connaissez d'autres, dites-le moi dans les commentaires. Parce que là, je commence vraiment à avoir des problèmes, surtout que Camtasia, c'est surtout avec lui que je filme en ce moment, parce que c'est lui qui marche le mieux, on va dire. Lui, en fait, ce qu'il fait, c'est que si, quand il fait des vidéos, il prend beaucoup de place sur mon disque dur. Et ce qui fait que j'ai des tendances à faire encore plus bugger mon PC. Enfin bref, c'est le bordel pas possible. Donc du coup, c'est pour ça que j'en appelle à vos connaissances. Si vous avez des idées de logiciels qui pourraient m'aider, n'hésitez pas. Si vous avez aussi des idées pour essayer d'optimiser un peu mon PC, si vous voulez, je peux vous mettre dans la description la config que j'ai, si j'arrive à la trouver, pour que vous sachiez qu'est-ce que je pourrais faire pour l'optimiser. Alors, je rassure, je signale quand même que c'est un PC, quand je l'ai acheté, qui avait 3 ans. Et il avait servi à concevoir des jeux comme World of Warcraft. Seulement, c'est vrai qu'au bout de 3 ans, les PC commencent à en avoir un peu marre. Bon, je l'ai récupéré, il tient encore un peu la route. Il arrive à faire tourner des jeux mieux que celui que j'avais avant. Parce que celui que j'avais avant, il pouvait même pas faire tourner des jeux. Enfin, bref. Du coup, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Ça m'aiderait beaucoup. Et ça permettrait de faire plus facilement des vidéos pour vous, pour vous faire plaisir. Voilà, c'est pour ça que je voulais faire cette petite vidéo explication, parce que là je suis complètement on va dire dépassé par ce qui se passe, on va dire. J'arrive pas à faire ce que je veux, je peux pas, c'est compliqué en ce moment. Donc du coup voilà, donc je m'en excuse, et si vous avez des idées pour m'aider, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Du coup voilà, donc c'était des petites vidéos comme ça explicatives. Donc ne soyez pas surpris si pendant un certain temps où il n'y a pas avoir beaucoup de vidéos sur la chaîne, c'est parce que comme je l'ai dit, c'est que j'ai beaucoup de problèmes en ce moment sur mon PC. Donc voilà. Bon, maintenant je veux dire salut, merci d'avoir regardé cette vidéo, et j'attends vos astuces ou vos idées avec impatience, parce que j'ai envie, parce que c'est pas contre moi, hein. J'aime bien faire des vidéos, au contraire j'adore ça, faire les vidéos, je trouve ça super sympa. Mais là actuellement, j'ai pas vraiment ce qu'il faut pour les faire. On va dire, au début ça allait, mais maintenant je suis dépassé par les logiciels qui commencent à merder dans tous les sens. Enfin bref, c'est le bordel pas possible, vous pouvez pas savoir. Enfin bref, bon, je vous remercie quand même d'avoir regardé cette vidéo, et merci de votre compréhension également. J'espère que ça va pas trop vous gêner, et puis merci quand même de me suivre. Je pensais pas déjà, bon, de 20 abonnés, je vais pas vous dire c'est pas beaucoup, et pour moi je pensais jamais en avoir autant. Donc je vous remercie du fond du cœur, et je m'excuse pour les petits problèmes sur la chaîne qu'il va y avoir pendant un petit moment. Voilà. Donc voilà, cette petite vidéo, je voulais quand même m'expliquer avec vous pour ça. Voilà. Moi je vous dis merci, et à bientôt. Tôt, je sais pas quand exactement. Là par exemple, il va y avoir quelques vidéos de Minecraft qui vont arriver, mais c'est des vidéos que j'ai fait en avance, histoire de quand même mettre des vidéos sur la chaîne. Mais pour l'instant je vais pas pouvoir faire beaucoup plus d'autres jeux que celui-là, et je m'en excuse. Voilà, je veux dire merci de votre compréhension, et à plus les gens. C'était le geek du 1-9, complètement dépassé par les événements, pour vous servir.